chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons une équipe totalement complète avec ma fidèle Danielle. Oui, bonjour, ravi de vous retrouver. Un peu triste parce que cette semaine, nous avons encore perdu deux personnes qui nous sont chères, Tony Delcham et Christian Vitalien. Donc, malheureusement, la faucheuse continue à œuvrer. À faucher. Mmh. Emmanuel. Bonjour Gérard, bonjour tout le monde. Edith. Moi, j'adore la sobriété d'Emmanuel. Je vais essayer de faire pire. Bonsoir, bonjour et à très bientôt. Non, on a une émission à faire quand même. Monsieur Copy qui dit bonjour à tous. En tous les cas, nous avons beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Si j'ai bien compris, nous avions décidé qu'on va d'abord traiter de brièvement, pas comme les autres émissions où on a passé l'heure entière à traiter des élections. On va quand même faire le point. La série Netflix législative, post-législative n'est pas terminée, on a ça à voir. Puis je crois que vous allez découvrir, mes chers auditeurs, au fur et à mesure. Donc je passe tout le temps. On va gagner du temps. Je passe d'emblée la parole à Emmanuel. Oui, donc effectivement, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses ces derniers temps sur le plan politique. Et puis hier, donc vendredi, c'était un point d'orgue, puisqu'il y a eu les élections de la présidence de l'Assemblée nationale, jeudi. Et donc, 6 heures d'élection, 3 tours, et ça aboutit à reconduire Yael Braun-Pivet, qui a été élu face au communiste André Chassaigne. Donc voilà, ça fait le grand débat, puisque, rappelez-vous, on disait qu'Emmanuel Macron attendait de connaître la présidence de l'Assemblée pour donner la couleur du futur Premier ministre. Et là aussi, on a beaucoup entendu sur cette affaire de nomination du Premier ministre. Il y a eu beaucoup de théories, beaucoup d'avis qui ont circulé. Et moi, j'ai retenu le point de vue d'un ancien Premier ministre, qui est Dominique de Villepin, qui, à mon sens, résume assez bien la situation et la méthode. Et lui, il dit, en réalité, il faut, entendre clairement les résultats du vote. Et les résultats du vote... Du vote des législatives. Des législatives. Yes. Et lui, il dit, les résultats, c'est deux choses. Un, Emmanuel Macron a perdu. Première information. Et deuxième information, le Front républicain a gagné. Ça, c'est l'analyse de Dominique de Villepin. Et ensuite, il dit, on ne nomme pas un Premier ministre au hasard des circonvolutions et des injonctions des uns et des autres. On suit une méthode, on suit des étapes. Et lui, il dessine 3 étapes et il dit, il ne s'agit pas de nommer le Premier ministre qui convient au président, il s'agit de nommer le Premier ministre en suivant des règles républicaines. Et la première règle républicaine, c'est de commencer par choisir la force issue du parti arrivé en tête. Donc il dit, il faut commencer par là, il faut commencer par nommer un Premier ministre issu de la composante du Front populaire. Ça tient, ça ne tient pas. Si ça ne tient pas, deuxième étape, on ouvre le champ et on crée une force issue du Front républicain cette fois-ci. Donc on ouvre. Et là encore, on regarde ce que ça donne, ça ne tient pas. Et troisième étape, il dit, s'impose alors au président la décision de nommer une force, un gouvernement d'union nationale qui n'exclut personne. Voilà comment on procède. Et moi, ce que j'ai aimé dans son raisonnement, c'est qu'il dit, si vous ne respectez pas ce processus, eh bien, vous fermez d'emblée des portes, alors qu'en réalité, si vous le respectez, à chaque hypothèse fermée, s'ouvrent des opportunités, parce que la politique, c'est quelque chose de vivant, donc c'est créatif. Il y a des champs qui se réouvrent et qui peuvent autoriser l'étape suivante. Et moi, j'aime bien cette manière de présenter les choses. Et donc, il dit, tant qu'on ne respecte pas les règles, on ira à l'échec. Bon. Et puis, le dernier, lui, il dit, 3 options plus un joker. Le joker, c'est dans l'hypothèse où le gouvernement d'union nationale n'est pas possible, parce que c'est aussi une hypothèse qu'il faut... Mais là, c'est à ce moment-là seulement qu'on réfléchit à l'idée d'un gouvernement dit technique. Qui tiendrait pas, qui passerait pas là. On pourrait noter que, quand même, la première étape qu'il dit qu'il faut respecter, à savoir le nouveau Front populaire, mais le nouveau Front populaire n'arrive pas à proposer un candidat.
C'est ça le problème. Il ne s'agit pas seulement de respecter, encore faut-il qu'il soit capable d'en proposer un. Il y a quand même un élément qu'il faut enfin, au moins dire, c'est qu'à l'intérieur du nouveau Front populaire, il y a un parti qui ne veut pas gouverner. C'est LFI. Ils ne veulent pas gouverner parce qu'ils savent pertinemment que s'ils mettent en pratique ce qu'ils ont proposé comme axe de réforme ou de méthode, ça mène au chaos. Donc, il ne faut surtout pas, disent-ils, qu'on les découvre. On me demande de te demander avec la plus grande discrétion que possible de redresser ton micro. Ah. Christian, tu vas dire quelque chose. Ben, je réagissais par rapport à ce qu'il disait, parce que le soir du deuxième tour, Mélenchon a dit que nous voulons être au pouvoir. Mélenchon a dit ça. Oui, mais quand il dit, deuxième nous, élément. Quand il dit nous, c'est LFI. Non, mais LFI aussi. LFI. Parce qu'il disait que LFI ne veut pas gouverner. Oui. Mais Mélenchon a dit nous voulons être au pouvoir. Quand tu mets trop de conditions pour être au pouvoir, ça veut dire que tu ne veux pas l'être. Deuxième élément, pour terminer, par rapport à ce que tu disais. Peut-être que De Villepin, c'est le candidat idéal pour être Premier ministre. Oui, c'est le seul qui a prôné la dissolution à l'époque et conseillé la dissolution à Jacques Chirac. On a vu ce que ça a donné. Bon, nous sommes promis de ne pas nous prêter aux délices trop longtemps. Une question technique pour la question. Non, mais c'est important parce qu'il est dit à un moment donné que dans le vote pour l'élection de la présidente de l'Assemblée, les ministres démissionnaires n'auraient pas dû voter. Et certains sont allés jusqu'à parler de déni démocratique. Je pense qu'il faut juste préciser que non, c'est prévu par la Constitution et qu'à partir du moment où leur démission a été acceptée, ils peuvent... Ils sont libres, c'est sûr. Ils peuvent voter. Conséquence de l'attentat sur les élections, parce que j'avais préparé avant l'attentat, long questionnaire avec des hypothèses. Biden, qu'est-ce qu'il peut faire tout. Là, maintenant, on change de braquet. Teddy essaie de nous donner une photographie de ce qui se passe dans ce pays. Allons quand même préciser qu'on parle des États-Unis. Les États-Unis. Au cas où il y a quelqu'un qui prend tout en cours. On fait un saut outre-Atlantique. Oui. Petit rappel historique, des attentats contre des présidents américains, il y en a eu près d'une quinzaine. OK, sans compter les complots, enfin, etc. Donc, on va dire que ça fait partie du folklore et que si notre ami Trump n'avait pas, comme il fait d'habitude, tourné la tête pour s'adresser à on ne sait qui sur sa droite, il aurait pris la balle en pleine tête. C'est le New York Times qui... Je vous recommande cette petite vidéo. Incroyable. Où on voit... Alors, les conséquences... En l'état actuel des choses, juste avant l'attentat, Trump était donné gagnant à 7 chances sur 10. Donc, 70% de chances de gagner l'élection. L'attentat, à mon avis, renforce. Il est monté à 77. Enfin, on va dire que le type qui l'a loupé lui a rajouté 7% de chances. Bon, parce que c'est Biden. Parce que c'est Biden. Si on fait... Alors, les... L'Institut Gallup dit, si on met Kamala Harris, il y a de fortes chances que Trump perde. Pour une raison simple, c'est que la majorité des électeurs aux États-Unis ne sont non blancs aujourd'hui. C'est ça la réalité. Et donc, la majorité des électeurs non blancs, un peu moins chez les Latinos. Les Latinos sont beaucoup plus partagés. Oui. Mais la très grande majorité disent qu'ils ne veulent pas recommencer avec Trump. Parce que Trump met en péril la notion même de liberté, de démocratie, qui fait le fondement des États-Unis et qui attire des gens du monde entier. Est-ce que Biden, avec son coronavirus qu'il vient d'attraper, va prendre la décision de lâcher prise? Alors, il y a un petit mot qui est sur Twitter de Obama qui dit... Obama dit, je pense qu'il a commencé à comprendre qu'il faut qu'il se retire. Oui. Bon, le problème est le suivant. C'est que même si le président est un démocrate, imaginons que ce soit Kamala Harris, la majorité... au Sénat, risque de basculer vers les Républicains. Elle est déjà, il y a déjà une majorité à la Chambre des représentants, les députés américains. Et là, on risque... Alors, pour une raison simple, c'est un peu le cas en France. D'ailleurs que
les zones rurales pèsent lourd aux États-Unis en nombre de représentants, parce qu'il y a un déni de démocratie, c'est que il n'y a pas de proportionnalité entre le nombre de représentants et la population. C'est pour ça qu'en France, le Front National cartonne, parce qu'en France, les zones rurales, on n'a pas fait le ménage en disant, bon, écoutez, un député, c'est 10 000 habitants. C'est pas ça. C'est-à-dire que normalement, il devrait y avoir beaucoup plus de députés des zones urbaines que des zones rurales. Or, en France, ce n'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, quand tu regardes la carte française de la représentation, tu vois bien que dans les zones rurales, on est Rassemblement National. Bon, sinon, ils n'auraient pas eu 130 députés. Donc, aux États-Unis, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, l'élection du gouverneur, l'élection des représentants locaux, donc, il y a les sénats, des chambres de représentants locales et sénats locaux, et puis les représentants au Sénat national et à la Chambre des représentants sont issus de zones rurales, et la tendance majeure, c'est la radicalisation des zones rurales blanches par rapport aux zones urbaines plus colorées, on va dire ça comme ça. Alors, donc il y a de fortes chances que, même si c'est un président démocrate, que le pays soit bloqué, non seulement parce que la majorité à la Chambre des représentants est déjà républicaine, le Sénat risque de basculer, et la Cour suprême est majoritairement républicaine. Donc toutes les instances majeures sont tenues par les républicains. On a vu techniquement, on parle d'élection, le temps de mettre ça en place, le temps de convaincre, le temps de renverser la tendance, le temps d'enlever à Trump son charisme. C'est trop court. La force des images est terrible. Et regardez cette image. J'ai l'impression qu'il dit au revoir. Il dit au revoir tout le temps. Emmanuel, nous sommes dans les choses tristes. On te redonne la parole pour nous parler d'un embouteillage de cadavres à la morgue. On vient sur le plan local avec un petit problème à nous, dans nos cadavres, dans nos placards aussi. Mais là, c'est au CHU. Oui, mais c'est plutôt un visage triste de notre beau CHU, parce qu'il ne faut pas non plus jeter le bec avec l'eau du bain. On a fait cette fameuse conférence à l'époque qui montrait à quel point il y avait de l'énergie quand même dans cette équipe. Absolument. Donc, il faut bien mesurer le propos. Mais la réalité, c'est qu'en effet, aujourd'hui, il y a des embouteillages de cadavres à la morgue du CHU. Et quand on interroge les équipes du CHU, d'abord, on essaie de comprendre pourquoi. C'est important. Et la première chose qu'il faut dire, première information, c'est qu'il y a 10 ans, il y avait 20 casiers au CHU. Aujourd'hui, il y en a 46. Donc, le CHU a fait le boulot d'équipement. Il faut quand même noter ça. La deuxième chose, c'est que depuis 10 ans, la mortalité du fait du vieillissement de la population, elle augmente de manière proportionnelle. Il y a une accélération de la mortalité avec deux axes. Un, mortalité directement liée au vieillissement. Et le vieillissement emmène la mortalité hospitalière également, accroît la mortalité hospitalière, parce qu'on va mourir à l'hôpital. Mmh. Et donc, il y a ce double phénomène qui fait que l'hôpital devient l'endroit où l'on vient mourir de manière bien plus massive qu'il y a 10 ou 15 ans. Donc l'hôpital fait face à une difficulté qui n'est pas de son fait, qui est une difficulté majeure, qui l'oblige sans doute à réfléchir à des solutions, mais il y a quand même ce fait qu'il faut noter. Et puis le dernier phénomène, c'est qu'on constate que de plus en plus de cadavres, alors ça c'est assez morbide à dire, mais ne sont pas récupérés par les familles. Il y a même des cadavres qui sont, me dit-on, dans les casiers depuis 3 ans, qui sont là. Ce sont des places qui sont occupées. Et peut-être aussi que c'est lié aux deux phénomènes précédents. La vieillesse, la mortalité, ça veut dire... Oui, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de famille. Capable. Et je trouve que ça donne, pour le coup, ça dessine une image de notre société qui est d'une profonde tristesse. Oui, on ne va pas en dire plus. Voyons un côté un peu plus positif, c'est qu'il y a eu des problèmes, qu'il y a eu des négociations, qu'il y a eu des solutions pour les vacances. Daniel, c'est tu peux élargir aussi à ce qui est mis en œuvre à l'hôpital, puisqu'on a eu effectivement l'occasion d'en parler dans le cadre d'une conférence que nous avions faite. Tout à fait, même si l'actualité d'aujourd'hui, c'est-à-dire de jeudi et vendredi, des notes un peu, puisqu'il y a du personnel en grève à l'heure actuelle, mais il est vrai que le syndicat FO de l'hôpital
était, à la fin du mois de juin, avait fait un gros mouvement de protestation parce qu'on allait vers une situation où il était question de fermer les urgences de Trinité, il n'y avait pas de médecins, etc. Donc il y a eu des négociations et puis il y a eu une réunion qui a abouti à ce que déjà, premier élément, les urgences de Trinité ne ferment pas pendant les vacances. Et puis, deuxièmement, il y a eu un appel à fait pour faire venir d'autres médecins, pour des médecins militaires, par exemple, des médecins de chambre, pour pouvoir assurer, parce que nous sommes à la période où les gens partent en vacances. Et donc, il y a ce phénomène pour assurer la continuité. Donc, il y a des aspects positifs. Et de façon plus globale, moi, je pense qu'on est dans une situation, effectivement, qui tienne aux vacances, mais de façon plus globale, c'est vrai qu'il y a, de façon plus stratégique, une organisation de l'hôpital, que ce soit au niveau des techniques comme utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir mieux assurer le diagnostic, mieux gérer la prise en charge, mais également avec la venue de médecins, des contrats qui vont être passés. Donc, a priori, c'est vrai que parce que le contexte est particulier, l'hôpital vit une situation difficile, mais normalement, on devrait aller vers une période d'amélioration. Est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser sur le statut juridique des gens dans des cadavres qui ne sont pas récupérés par les familles? Est-ce qu'on peut, alors c'est une question que je pose aux juristes que vous êtes, est-ce qu'on peut les enterrer, les inhumer, malgré l'absence d'un sentiment familial? Est-ce qu'il y a une loi, est-ce qu'il y a une règle? Je te promets d'y réfléchir pour la prochaine fois. Mais là, je suis incapable de te répondre. Ça devrait être la solution. Mais de toutes les façons, tu sais, il y a un turnover dans les cimetières. Au bout d'un certain temps, on vide les caveaux, on change. Donc, a fortiori, un cadavre qui est là et qui occupe de la place, il y a des solutions. Il y a des solutions qui sont prises. Ou alors, il y a des lois à prendre, il y a des réglementations à mettre au point. C'est peut-être un sujet de règlement. Il y a certainement une raison pour laquelle ils sont là toujours. Si on va élargir un petit peu le débat, on va faire un saut en Afrique. Aujourd'hui, on voyage. Burkina Faso, Mali et Niger s'unissent au sein d'une confédération. Ça, c'est les trois méchants. Les trois vilains, voilà, pour certains. Burkina Faso, Mali et Niger. Voilà. Et là, ils ont complètement clashé, si je puis dire, avec la CDAO. Puisque la CDAO, rappelons-nous, c'est la Confédération des États d'Afrique de l'Ouest, composée d'ailleurs de quelques pays que je vais citer, le Bénin, le Cap-Vert, le Mali, le Burkina, le Nigeria, la Gambie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée-Bissau. Alors, la CDAO a été créée en 1975. Bien évidemment, objectif, renforcer la coopération économique, culturelle et à tous les niveaux de ces pays africains. Alors, rappelons quand même que beaucoup de pays de la CDAO dépendent du franc CFA. Et puis, le 6 juillet dernier, il y avait déjà eu un clash, puisqu'on suit les informations d'Afrique depuis quand même un an et demi, on voit qu'est-ce qui se passe. Mais le 6 juillet dernier, il y a une réunion à Niamey, et dans cette réunion, ils ont conforté, si je puis dire, leur collaboration, et ils ont conforté aussi leur désir de bouger sur la CDAO. Alors, quand je dis « ils ont », reprenons, c'est le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Alors, juste à titre d'information, le Mali est dirigé par Assimine Goïta, le Niger par Abouaran Tiani et le Burkina Faso par Ibrahim Traoré. Le fameux Ibrahim Traoré. Le fameux Ibrahim Traoré. Donc, leur accord de coopération explicite la volonté de s'éloigner de l'Occident. Et on voit bien en filigrane vers qui ils vont se rapprocher. Vers la Russie, vers la Chine, vers les BRICS. Ibrahim Traoré, notamment, il dénonce ce qu'ils appellent les méfaits du colonialisme. Puisque depuis les années 60, il parle de simulacre d'indépendance depuis les années 60. Il parle de pillage de ressources africaines par les Occidentaux. Et leur ambition, c'est de construire une vraie indépendance, assurant un réel épanouissement, et aussi de bouger sur le franc CFA en créant leur monnaie commune. Donc, ce sont des choses qu'il faut suivre avec attention. Alors, dernier élément, je ne veux pas non plus vous conditionner à rien penser, mais il faut savoir que ces trois pays ont fait l'objet de putsch militaires. Exact. C'est des militaires qui sont au pouvoir. Et puis, dernière chose, tu m'envoies un petit article où, semble-t-il, qu'au Burkina Faso, il y a 400 civils qui ont été tués. Au Niger. Au Niger, par, effectivement, au Burkina. Au Burkina. Donc, voilà, c'est à la fois, c'est interpellant pour nous, parce qu'on voit, effectivement, les mouvements qu'il y a en Afrique et les incidences sur la politique internationale.
Mais ça pose des questions. Et on peut dire que il ne suffit pas d'être anti-occidental pour être vertueux. Tout à fait. C'est ça. Il faut rappeler que ces trois pays sont aussi l'épicentre du trafic de drogue en provenance d'Amérique du Sud vers l'Europe. Ça peut aider à comprendre qu'il y a eu des Et vous savez qu'on a des Nigériens ici. Hein. Il y a une filière en matière de drogue. Hein. Il y a des Nigériens qu'on arrête ici. Enfin, pas seulement en Martinique. En Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Hein. Il y a une filière. Alors, ça confirme ce que Donc, c'est vrai qu'il faut être attentif à l'évolution de tout cela. Oui. Quoi. Il y en a un qui passe au tribunal dernièrement. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on parle de ça, parce qu'on semble être très loin. On est relié au monde. Hein. Oui, absolument. Absolument. Tout ce qui se passe à l'autre bout du monde nous concerne. La théorie du chaos. Oui. On a qu'à voir avec la panne informatique qui touche le monde entier aujourd'hui. Un petit jingle pour qu'on respire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pratiqué cette chose. Alors, ça, c'est on rentre dans le camp maintenant européen, on revient à la politique, et il dit, hein, chez les patriotes, pour l'Europe, le Rassemblement national s'oppose à la vice-présidente de l'Italien, en général. Enfin, tu vas développer ce sujet. Bon, je pense qu'il faut remettre ça dans le contexte. Bardella veut que les gens pensent qu'il n'est pas raciste, qu'il n'est pas xénophobe, qui n'est pas contre la démocratie, pour qu'il puisse accéder au pouvoir. C'est ça, en France. Que les gens votent pour lui. Donc, avant l'élection, bien évidemment, le rôle des journalistes, c'est de lui tendre des pièges de manière systématique, en lui disant, bon, qu'est-ce que vous pensez d'un tel, qu'est-ce que vous pensez d'un tel. Et on lui avait demandé, avant l'élection européenne, qu'est-ce qu'il pensait d'un général italien qui s'est fait remarquer, alors qui s'appelle Roberto Vannacci, et qui s'est fait remarquer par des prises de position extrêmement dures contre les immigrés, contre les étrangers, contre la démocratie. Et pro-Mussolini. Enfin, pas voulu aller jusque-là. Donc, un fasciste, ouais. Très clairement. Et évidemment, pour coller à sa ligne de dédiabolisation, Bardella avait dit, ce type, je n'en veux pas. Et si jamais il était proposé pour la vice-présidence d'un groupe, etc., je n'en voudrais pas, il ne sera pas élu. Bon, le problème, c'est que le dénommé Vannacci a été élu au poste de la vice-présidence. Et en plus, il a été élu avec une méthode qui rappelle beaucoup les méthodes fascistes, c'est par acclamation. Ce qui est totalement interdit, en l'occurrence, au Parlement européen. Et personne ne s'y est opposé. Personne ne s'y est opposé. En fait, c'est là qu'on voit le glissement progressif de la peste brune dans les instances les plus démocratiques. Et donc, à aucun moment, un président quelconque ou un huissier quelconque s'est opposé au fait qu'un mode de désignation de ce type puisse avoir lieu dans l'enceinte d'un Parlement. Mais voilà. Je ne sais pas s'il faut en dire davantage. Pour rappeler peut-être, mais bon, là, je prends encore quelques risques, à nos fervents supporters RN martiniquais, qu'il faut s'intéresser à ce type de pratique, puisque je pense qu'ils auraient du mal à supporter qu'en Martinique, on puisse, lors d'une élection où il y a plusieurs candidats, que le maire soit élu à l'acclamation de ses partisans. Voilà, nouvelle. L'explication, c'est que quand il n'y a qu'un seul candidat, oui, que c'est pas la peine de faire de voter. Oui, alors que la loi, non. Quand il n'y a qu'un seul candidat, il faut voter à bulletin secret ou à main levée pour qu'on sache bien s'il n'y a pas trucage. Parce que quand vous faites acclamation, c'est quoi les résultats du vote? Il y a une différence entre par acclamation et puis à main levée. Oui, c'est différent. À main levée, on compte. On compte. Par acclamation, oui. Le wéisme. Avec un appareil à mesurer le niveau son, sonore. Le nombre de oui. c'est quand même un sacré retour en arrière. Dans le même ordre d'idées, Daniel va nous parler d'un site d'extrême droite où il menace mais vraiment nominativement des avocats, des politiques. Je te laisse dire la nature des menaces ou à quel niveau de dégradation morale on est arrivé. Tout à fait, dans le monde civilisé. Oui, c'est une
ça s'appelle Réseau Libre. C'est un site donc, d'extrême droite, hein, y a aucun doute là-dessus, qui appelle à éliminer, c'est-à-dire ce n'est pas une formule de style, hein, c'est vraiment à éliminer physiquement. Donc il y avait une liste de 97 avocats, et ce même site avait déjà appelé à voter, pour, à éliminer des élus de gauche, et notamment des avocats qui interviennent dans des procédures contre le Rassemblement national. Et ce qui est particulièrement grave, c'est que ceci donne des coordonnées très précises concernant les domiciles en décrivant comment accéder au domicile de ces personnes. Et ça a été le cas donc, d'avocats, mais également de responsables politiques, comme Glucksmann. Hein. Glucksmann, il y avait tous les renseignements concernant son domicile. Alors, c'est un site qui est hébergé en Russie, parce que étant hébergé en Russie, on ne peut pas savoir quels sont les auteurs des articles qui passent, ni trouver... c'est anonyme. Alors, on a quand même compris, il y a une enquête de Mediapart qui disait que c'est un Français qui est derrière cela, qui est un ancien du Front National, comme par hasard, et qui est exilé en Russie depuis un certain nombre d'années. Et ce qui est dit, c'est de dire aux gens, il faut les tuer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur ce qui est dit. Alors, tu as peut-être les plus que moi retenu les phrases précises, mais c'est un appel au meurtre. Alors, donc, il y a eu une protestation aussi bien du ministre de la Justice que des bâtonniers de Paris. Bâtonniers de Martinique aussi a eu un communiqué de protestation. Parce que quand, effectivement, on s'attaque à des élus et à des avocats, c'est-à-dire à des personnes qui sont représentatives de la démocratie, d'un côté, de l'autre, ceux qui sont chargés de la défense, c'est qu'on s'attaque aux piliers d'une démocratie. Et il a persisté et signé en disant « je ne retire pas un mot de ce que je dis », le fameux Condor, qui est le nom d'emprunt de cet homme réfugié à Moscou, qui se camoufle derrière ce site, les mesures de nettoyage contre les pourritures fascistes de gauche. Tentant de faire taire la voix du peuple, je continuais d'arda encore plus fort. Moi, je me disais que ça, c'est le vieux débat qu'il faut évoquer très rapidement, pas en restant, la valeur du journalisme, la valeur de la presse, par rapport à ce qui est répandu au complotisme, ce qui est dit. Vraiment, deux choses. Un journaliste, un organe de presse, Mediapart, qui fait une enquête et qui définit même où se trouve ce complotiste, plus que complotiste, ce criminel. Et puis aussi, cet utilisateur des réseaux, donc du mal du siècle, c'est-à-dire qui utilise tous les moyens modernes, quoi, parce qu'on sait que c'est grâce à l'intelligence artificielle qu'il arrive à localiser, à serrer les gens qui s'abreuvent au quotidien de ce genre de formation pour continuer encore à les maintenir à les formater, à les maintenir dans leurs idées. On voit bien, on se dit, mais s'il n'existait pas une presse, et une presse qui, si possible, libre, ça, c'est encore un autre problème. Mais que deviendrait-on au niveau de l'opinion, au niveau des choses, hein? Les conséquences sont graves, parce que quand on s'en tombe sur des gens qui sont peut-être... qui ont une forme de déséquilibre, ou bien qui s'abreuvent que de ça, ils vont passer à l'acte. Mm-hmm. Rappelons quand même Salman Rushdie avec une fatwa contre Salman Rushdie de l'Iran. Celui qui agresse Salman Rushdie n'était même pas né au moment de la fatwa. Mmh. Mais la force de la fatwa, c'est-à-dire que ça envahit tout son mental. Et il passe à l'acte. Et bien, ça peut être pareil ici, en France. Il y a des gens qui peuvent passer à l'acte. On est quand même dans la grande hypocrisie, tout simplement parce que le gouvernement français a largement les moyens techniques de faire en sorte que ce site ne soit pas accessible depuis la France. Oui. Mais évidemment... Oui, mais je pense qu'il faut aussi rajouter que c'est sans doute, enfin c'est très certainement l'expression même de la fameuse guerre hybride pilotée par le Kremlin. Enfin, on est quand même en guerre, il faut qu'on soit conscient de ça, de ce point de vue-là, avec ces outils-là. Et ça, c'est un outil qui descend directement du Kremlin. Et j'imagine qu'on va en voir fleurir d'autres
dans tous les pays de l'Occident, parce que c'est une manière de mener la guerre pour laquelle ils sont extrêmement déstabilisés. Oui, mais, oui, moi, ce que je ne comprends pas, effectivement, oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est que quand on veut interdire un site pornographique en France, on l'interdit, on le bloque, on menace les fournisseurs d'accès. Je vous rappelle que pour avoir accès à ce site, il faut passer par un fournisseur d'accès. Oui. Eh ben, si on dit aux fournisseurs d'accès, bon, les mecs, je suis désolé, mais là, celui-là, il est blacklisté, eh ben, il sera blacklisté. C'est ça qui est terrible à imaginer. C'est-à-dire que le déversoir, et pourtant, il y a un certain nombre d'organismes en France qui sont des organismes étatiques qui surveillent, et qui traquent, par exemple, les pédophiles. Je veux dire, les sites pédophiles sont éliminés de manière systématique, et celui-là, il n'est pas éliminé. Comme par hasard. Non, à un moment, l'hypocrisie doit s'arrêter. Il y a bien quelqu'un qui tolère ce truc au niveau de l'État. Qu'est-ce que Dupond-Moretti attend pour faire en sorte qu'il y ait un décret? C'est par décret, là. Pas la peine d'aller au Parlement, un décret qui élimine ce truc. Tous les jours, on interdit des groupements fascistes. Vous avez vu? Le GUD a été dissous, etc. Mais il est en France, là. Oui, non, mais ça, c'est accès France. C'est-à-dire que vous pouvez bloquer l'accès en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, vous avez vu. Le gouvernement a dit TikTok terminé. Terminé. Est-ce qu'il n'y a pas une méthode aussi pour serrer un petit peu les gens, faire la photographie des gens? Pour les faire remonter? Les gens qui s'intéressent et qui sont... Pour remonter ces gens-là, on n'est pas obligé de laisser les victimes s'abreuver. On peut... Tu vois, ce site-là, il est, comment dirais-je, accessible, par exemple, depuis le Danemark ou depuis la Colombie. Eh bien, on peut passer en changeant l'adresse IP des... je vous donne la méthode. Les gens, par exemple, qui veulent regarder la Copa América gratuitement, ben, ils passent par un truc qui s'appelle un VPN. Ils changent l'adresse IP de votre ordinateur pour se faire passer pour un Colombien. Oui. Et comme ça, ils regardent le match gratuitement. Parce que si... l'ordinateur détecte que vous êtes français, il bloque l'accès. Eh bien, on fait la même chose. Voilà. Et ça, ça marche. Le gouvernement français tolère ce genre de conneries. Je vais vous poser un exercice auquel nous ne sommes pas habitués et nous sommes contraints de le faire, c'est parce que sinon, ça deviendra obsolète. C'est de dire deux mots quand même sur l'évolution de l'ambiance et de l'atmosphère au sein du Parti progressiste martiniquais. Qui commence? Et des décisions qui viennent d'être prises. Attends. Donc, alors, si je parle en ce qui me concerne, hein, si les téléspectateurs qui nous suivent assidûment se souviennent que j'avais indiqué que le PPM devrait se poser des questions en interne à la suite de l'échec de Johnny Hajjar. Alors, moi, je pense qu'il y a ce qui se dit, alors, plus exactement, Le PPM sort un communiqué pour dire qu'il y a un comité directeur qui sera désigné, qu'il a pris acte de la volonté de la population. Pour le moment, moi, je considère que tout ça, c'est de la poudre aux yeux, en ce qui me concerne. C'est toi. Emmanuel ? J'ai pas grand-chose à dire, sinon que je reviens sur la très belle lettre à Faure. Je n'ai pas très bien compris pourquoi un militant du PPM et non un président puisse acter une décision de rupture avec un parti politique et le Parti socialiste. Voilà. C'est ça que tu as dit. Élie ? Moi, je vais vous lire dans cette fameuse lettre à Olivier Faure. Rappelons à nos téléspectateurs. Moi, ce que je pense toujours au petit mec qui débarque quand il ouvre sa télé. Il comprend de quoi il parle, ces intellos. Latimi a considéré que le Parti socialiste les avait trahis en mettant une candidate socialiste devant un candidat PPM, alors que le PPM était allié aux socialistes. Il y a une petite phrase qui est intéressante, c'est l'avant-dernier paragraphe. Rassurez-vous, donc il s'adresse à Olivier Faure, rassurez-vous, deux points. Nous portons avec dignité notre part de responsabilité dans cette défaite. Intéressant. Nous en tirerons toutes les leçons utiles et nous reviendrons très vite sur cette ligne de défense de nos concitoyens. Donc en clair, tout le monde, y compris Serge Letchimy, qui, je le rappelle, n'est plus qu'un militant, on est bien d'accord, du PPM, est parfaitement conscient que si il y a eu défaite, c'est en partie ou totalement en raison de l'attitude du PPM. Okay ? Mais je rappellerai, parce qu'il y a des gens qui spéculent sur la mort des partis politiques. Moi, je pense que les partis politiques sont les piliers de la démocratie.
Il n'y a pas de démocratie sans parti politique. Et je rappellerai que, comme la démocratie, les partis politiques sont d'origine très récente. Okay ? En 1850, il n'y avait pas de parti politique. Il y avait des mouvements, mais pas de parti. Les partis politiques, c'est le XXe siècle, de manière forte et structurée. Donc, c'est très récent. S'il n'y a plus de partis politiques, il n'y a plus de démocratie. Et je rappellerai pour l'histoire que le PPM a déjà subi ce genre de défaite. Monsieur Pierre Samo a explosé Monsieur Darcière à l'époque. Et Monsieur Philippe Montmariette, qui revenait, a encore gagné. Okay ? Donc, ce n'est pas la première fois que le PPM subit une défaite aux législatives. Okay ? Et ça ne les a pas empêchés de continuer. Et l'un des réflexes majeurs de ce type de parti politique, qui est quand même relativement vieux, hein, parce que le plus ancien, c'est quoi ? C'est le Parti communiste martiniquais. Okay ? Bon. Français. Pas martiniquais, français. Voilà, c'est le plus vieux. Et après, c'est le PPM. Donc, l'idée, c'est que, de mon point de vue, et c'est probablement ce qu'ils auraient dû faire très très vite, c'est se renouveler par absorption. Ils ont fait ça très souvent. Claude Lise, vous avez déjà expliqué ça. Etc., etc. Donc, il n'y a pas de panique, à mon avis, à voir. Vous savez, je ne sais pas si je serai très original, mais mon épouse est originaire du Lamantin. Et dans le temps, elle me disait comment le Lamantin, ville communiste, avait organisé sa gestion publique des citoyens. Dans le monde, on était dépendant, on est que dans notre départementalisation. Mmh. Et puis, je me suis mis avec quelques amis, on discutait, on se disait, c'est quand même un peu regrettable que le PPM n'ait pas donné, si vous voulez, une empreinte de sa philosophie à travers les communes dans lesquelles il y a le PPM. On devrait, enfin je dis ça de manière très prudente, identifier des modalités de développement, d'action qui contribuent à notre émancipation, puisque c'est ce que le PPM a voulu. Vous voyez ? Or, on n'a pas le sentiment que le projet politique aboutit. Le parti existe, mais le projet, on parle d'autonomie, on l'a jamais défini, on n'a jamais non plus identifié des modes opératoires de gestion, si vous voulez, qui soient... qui vont vers une responsabilité, quoi. Enfin, je sais que c'est un peu théorique ce que je dis, mais en fait, si vous voulez, il faut un petit peu parfois fouiller dans les analyses, pour, je ne suis pas dogmatique, pour pouvoir exprimer un propos que j'ai essayé de vous transmettre. Jingle culture. Le Comte de Monte Cristo. Moi, c'est cet aspect va élargir. Le Comte de Monte Cristo, un conte moderne des mille et une nuits. C'est ce que, pour moi, c'est ce qu'Alexandre Dumas a produit de plus. Je te laisse. J'allais faire le sujet à ta place. Non, mais si tu as envie, il n'y a pas de problème. Non, ce qui m'a intéressé, en fait, sur les écrans, que ce soit au niveau hexagonal qu'en Martinique, il y a une énième adaptation du Comte de Monte-Cristo qui passe sur les écrans. Et le Comte de Monte-Cristo, tout le monde sait qu'avec les Trois Mousquetaires, ça a été écrit par Alexandre Dumas. Et moi, puisque nous sommes à contre-temps, n'est-ce pas ? Absolument. Ce que j'ai voulu, c'est de rappeler... ce qui a inspiré Alexandre Dumas pour partie pour rédiger ce conte. Et ce qui l'a inspiré, c'est son père. C'est son père et l'histoire de son père est fantastique. Puisque le père d'Alexandre Dumas, qui s'appelle aussi Alexandre Dumas, le père d'Alexandre Dumas, il est le fils d'un aristocrate qui vit à Saint-Domingue. Cet aristocrate a un enfant avec son esclave, qui s'appelle Cézette. Et donc, il a ce fils. Et puis, ce marquis, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui n'a pas beaucoup d'argent, mais qui pense qu'il va retrouver une situation en retournant sur le continent, retourne donc en France, et pour payer son voyage, il vend son fils. Il vend son fils, et il le vend ce qu'on appelle à réméré. C'est une expression que les juristes ont apprise, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire vente avec faculté de rachat. De rachat. Et donc, il rentre en France continentale et il fait venir, parce qu'il le rachète, il rachète son fils. Et donc, Alexandre Dumas, père, le père donc de celui qui écrit, il arrive et il est comme le chevalier de Saint-Georges. Il reçoit une éducation, d'ailleurs, il va rencontrer le chevalier de Saint-Georges.
Et il va mener une vie pendant un certain temps qui est une vie parisienne, en découvrant la vie parisienne. Mais lui, donc le père d'Alexandre Dumas, il va s'engager dans les Dragons de la Reine et il va faire une carrière militaire. Et cette carrière militaire va être fulgurante jusqu'à ce qu'il tombe en quelque sorte sur le chemin de celui qui sera Napoléon et qui est Bonaparte. Et donc, il va être arrêté, il va être emprisonné, il va rester donc plusieurs mois en geôle, et c'est cet aspect qui va inspirer son fils quand il va être écrivain. Et pourquoi Bonaparte, pourquoi la vengeance? Il n'y a pas eu de vengeance de la part du père, mais il y a eu une situation où on n'a pas reconnu tous ses états, les états de service du père. Donc il a connu, de par la vie de son père, Alexandre Dumas, a connu un homme qui a été emprisonné, qui a été victime d'une vengeance, et ça l'a inspiré de la même façon que la vie de son père l'a inspiré pour les Trois Mousquetaires, puisque son père était dans les Dragons de la Reine. Donc, il y aurait eu encore beaucoup à dire. Le fait que le père ait vécu à Saint-Domingue, décrire la situation, et s'il s'appelle Dumas, c'est parce que la mère de sa grand-mère, l'esclave, Cézette, a pris le nom de Dumas. Donc, il a pris le nom de sa grand-mère esclave, alors que son grand-père était marquis. Donc, c'est une histoire qui est absolument passionnante. Qui lève le doigt là-bas, qui est incité. Alexandre Dumas, moi, je l'ai redécouvert récemment, puisque j'ai relu le roman, et je peux vous dire que Netflix, à côté, c'est Tim en maille. Cette écriture est incroyable. Chaque chapitre, il y a un page-turner qui renvoie sur le suivant. Enfin, il y a une intensité dramatique. C'est un feuilletoniste, en fait, Alexandre Dumas. C'est écrit comme une série de feuilletons. C'est incroyable d'écriture. Donc, vraiment, je vous invite à lire ce texte. Et pour moi, ça fait partie des très, très, très grands auteurs du moment. Ouais. À la veille des vacances, je vous invite, moi, à lire tout court, à lire beaucoup. et à lire des livres. Absolument. Ne pas faire comme moi, vous coller un livre numérique, mais acheter des livres avec en papier. Tu as raison de préciser, la vente du Comte de Monte-Cristo de Dumas a augmenté dans les librairies. Donc les gens, en regardant le film, vont acheter le livre. Un petit jingle pour qu'on donne la parole au maestro, pour qu'il nous parle de musique. On l'appelle Monsieur Zitata maintenant. Bon, chers amis, chers téléspectateurs, la semaine dernière, je vous ai parlé de Jimmy Felvia. Yes. Mais malheureusement, dans la vidéo que j'avais sélectionnée, on voyait juste ses doigts. Ouais. Alors j'ai tenu à montrer son visage. Quand même. Donc la semaine dernière, il avait interprété Bégonia d'Alain Jean-Marie. Donc aujourd'hui, on va le voir qui interprète une composition qui s'appelle La Plia. On verra le multi-instrumentiste qu'il est. Un petit aperçu. Ah, il travaille en métropole, enfin en France, n'est-ce pas? En France métropolitaine. En France hexagonale. En France tout court. Mais voilà, et puis il est invité de temps en temps à Martinique, mais ça fait partie de nos jeunes pianistes de talent. Alors on va continuer avec un autre qu'on connaît bien, c'est Maier Bois. Je veux lui faire un clin d'œil, parce que Maier, c'est aussi une très grande formation, et puis c'est beaucoup d'expérience. On va l'écouter, il chante aussi avec piano et chant. C'est une composition Darling de Tania Séval. Oh, 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 yeah. Pas attendre plus tard, darling, oh, darling, oh, oh, yeah. Chantage pour moi rester à côté ou ça. Les ou senti moins brûlé, ni niage.
Lè ou comprenne que ou savé. Toi ou ta page et ou café pour pâti, chéri. Maher, un petit aperçu de ce pianiste de très très grande qualité. Il fait beaucoup d'arrangements, il reprend des morceaux de Marius Cultier qu'il rebaptise différemment. Ouais, c'est vraiment intéressant sa démarche. Et puis il a un son, il a un talent qui est reconnu. On va continuer, je veux faire un clin d'œil à Philippe Joseph. Alors Philippe Joseph, il est discret, mais c'est le pianiste de Cassave avec Jean-Claude Nemo. Il a été fondateur de Quack, et puis il a joué avec beaucoup de gens. Et c'est un arrangeur également. On va écouter Philippe Joseph dans une improvisation. Alors Philippe, que beaucoup connaissent. Avec quoi ce color là? Non, je pense pas que c'est. Je pense que c'est dans le cadre d'une prestation dans un club, quoi. Mais c'est pas forcément quoi que c'est color. Je sais pas quel groupe. Mais en tout cas, ce que j'ai tenu à montrer, si vous voulez, c'est sa dextérité, capacité de pouvoir maîtriser et développer sur un clavier. Alors, on va changer un petit peu de contexte. On va parler maintenant de Annick Auzier-Lafontaine. Annick, c'est une fille qui a une démarche extraordinaire. Elle est très très motivée. Elle a présenté plusieurs projets. Je vous propose de la découvrir un petit peu dans une prestation qu'elle a faite, je ne sais pas si à l'Atrium, mais en tout cas de ses compositions. Ce que j'aime avec Annick, c'est vraiment son côté opiniâtre, quoi, parce qu'elle a toujours des projets, elle a fait beaucoup d'expériences avec beaucoup de musiciens, et c'est moi, elle m'a fasciné, en tout cas, parce que vous savez, quand on fait du piano classique comme ça, c'est pas évident de pouvoir trouver un itinéraire professionnel. En plus, elle a créé une école de musique, elle a des jeunes qui travaillent avec elle, et elle a formé quand même beaucoup de musiciens, beaucoup de jeunes musiciens. Donc voilà, j'ai tenu à rendre cet hommage à Annick Auzier-Lafontaine. Et puis, je veux vous dire aussi qu'il m'est arrivé une aventure, j'allais dire avec Annick, c'est de produire la chanson « Où est passé l'amour ?». Parce que quand Annick m'a fait écouter cette chanson, on a rencontré Rapinier, Philippe Rapinier, et on a rencontré Fabrice Di Falco. Et la voix, j'espère que vous allez l'entendre dans ce que je vais vous passer là, la voix en fond, c'est Fabrice Di Falco qui faisait l'un de ses premiers enregistrements. On a fait ça en studio de Ronald Rubinel. Donc je vous invite à découvrir un extrait de « Où est passé l'amour » composé par Annick Auzier-Lafontaine, récipiendaire d'un prix SACEM, bien évidemment. Voilà, et avec la voix de Philippe Rapinier. La vie changeait, coulait. Où est passé l'amour, où est passé le temps de dire je t'aime. Le temps de se sourire, le temps de se parler, le temps de vivre un peu. Où sont donc ces oiseaux, ces anges venus du ciel, avec leurs ailes d'espoir? Où est passé l'amour? Où est passé la vie?
Voilà. Christian, c'est magnifique. Mais écoutez, si vous le dites, je vous remercie. Écoutez, les bonnes choses ont une fin. Je vous salue, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous avons obtenu la grâce d'avoir Monsieur Eddy Marajo avec nous pour cette émission. C'est plutôt le contraire, c'est moi qui ai obtenu le fait que vous m'invitiez. Nous aimons, nous nous estimons. De Rechef, je félicite tout le monde. Non pas seulement Mehdi et David, mais aussi Flore Filias, je précise, parce qu'on avait un petit peu raboté son nom la dernière fois. Max Monroz, le Big Boss, naturellement, qui nous permet chaque semaine de nous exprimer. Et puis je remercie vous pour votre attention soutenue depuis le début de cette émission. À la semaine prochaine.